Bon, alors, qu'est-ce qui a traversé la faille cette fois? Un calamar, je crois. Mmh. Et depuis quand les calamars ont des ailes? D'accord, madame, je sais tout. Disons que c'est un oiseau avec des tentacules. Ça te convient? Non, t'as raison, c'est un calamar avec des ailes. On laisse tomber la sémantique, le plus important c'est que ça vient de Mongo et ça devrait pas être ici. Et tout ça non plus d'ailleurs. D'accord, Zarkov. Vas-y, quelle est la mauvaise nouvelle? Eh bien, je pense que ces failles qui apparaissent de manière incontrôlée sont des répliques des premières failles, et à chaque fois, ça affaiblit la structure dimensionnelle. Alors c'est ça, la mauvaise nouvelle? Oui, mais la véritable mauvaise nouvelle, c'est que ça finira par une explosion générale. Le temps, l'espace, tout disparaîtra. Je crois que je vais arrêter de recycler. D'accord. Est-ce que tu n'as pas une bonne nouvelle, malgré tout? Ah, si, la seule bonne nouvelle, c'est que Ming n'est plus notre principal problème, puisque très bientôt, nous allons tous mourir. Et c'est exactement ce que Rancol et moi avions prévu. Est-ce que, par hasard, j'aurais manqué un épisode? Tu fais confiance à Rancol, maintenant? Je sais, tes relations avec Rancol sont différentes de celles que j'ai avec lui. Non, c'est pas comparable. Je te rappelle qu'il m'a torturé. Si des choses qui viennent de Mongo apparaissent sur Terre, est-ce que des choses qui viennent de la Terre apparaissent sur Mongo? Alors? Si ce n'est pas une arme, qu'est-ce que c'est? Je pense que ça doit être une sorte d'instrument de musique. Et pour le reste... Aucun doute, ça a le goût des nourritures terrestres. Mais ces objets ne présentent aucun danger. Qui les a envoyés? Quelqu'un sur Terre a dû fabriquer un générateur de failles. J'ai peur que la situation soit bien pire. Le système de transfert entre les deux mondes devient incontrôlable, ce qui explique l'apparition spontanée de failles. Si on ne trouve pas le moyen de le stabiliser avant que l'aqueduc soit achevé, notre plan pour récupérer l'eau de la Terre sera un échec. Vous voulez dire que ce projet d'aqueduc est toujours à l'ordre du jour? Oui, les travaux sont en cours. Nous serons bientôt prêts pour acheminer l'eau. Et pour cela, nous avons besoin d'une faille stable. Tu trouveras la solution. Et tu seras le sauveur de notre monde. Mais si tu échoues, alors... Non, je préfère ne pas y penser. Ah, c'est un diglish. Un diglish? Sur Mongo, ce sont des animaux domestiques. Alors c'est pas dangereux? Seulement pendant la saison des amours. C'est pas maintenant, j'espère. Je te conseille pas de dormir avec eux. Bon du tout, il y a une concentration de failles près du motel Cozy Corner. Ce serait pas à cet endroit qu'on a trouvé le calamar? Le diglish? C'est peut-être pas un hasard si ces failles spontanées sont les répliques des premières failles. Ce motel doit être le point d'intersection. Un peu comme les ondes que font les ricochets sur l'eau, sauf qu'au lieu de disparaître, les ondes se multiplient, voyez? Et les failles apparaissent toujours au même endroit. Voilà. Où? On dirait que ce motel est l'épicentre. Je sais où on va aller. Let's go. Maintenant, chérie, tu bouges pas, je reviens très vite. T'as pas besoin, je t'adore tel que tu es. Dans une minute, tu verras, tu m'adoreras encore plus. Dépêche-toi. Assez calme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Aucune idée, mais ce qui vient de Mongo, en général, c'est facile à repérer. Pourquoi, j'ai l'air bizarre? Non, pas du tout. Toi, c'est différent. Ça, c'est bizarre. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est?
Moi, oui. C'est un bâton de marche des Verdens. Ouais, c'est parce qu'il y a plus à la mode sur notre planète. J'ai inspecté les environs. Laisse à désirer. T'as raison, ou alors quelque chose est passé ici, comme une tornade. Quelle que soit cette chose, elle s'est envolée. Y a quelqu'un ? Reste ici. Fais attention. Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est rien. Ça va. Je crois que la seule chose qui fait peur dans cette chambre, c'est cette chemise de cow-boy. Ou alors... voyons... Trop grand pour toi. La couleur te va bien. Ouh, pas mal. Ouais, tu sais quoi? Je crois que... Ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter, non? Un de vos clients a entendu des cris qui venaient de la chambre 120. Et alors, c'est quoi le problème, hein? C'est normal qu'on fasse un peu de bruit quand on fait la fête. Vous voulez parler de petites fêtes organisées? Ah, on préfère le terme de service à la clientèle. Ah. Écoutez, soyons sérieux. Vous vous rendez compte si je devais accourir à chaque fois que j'entends un bruit bizarre? Après tout, c'est pas mon boulot. Vous voulez pas voir si quelqu'un a été blessé? Vous croyez que j'ai l'air de faire partie d'une brigade d'intervention? D'accord, j'ai compris. Je vais y aller tout seul. J'espère pour vous que ces cris n'étaient que ceux de la passion. Oh. Salut. C'est ça le reportage dont tu me parlais ? Joe... C'est pour ça qu'on pouvait pas se voir depuis la semaine dernière ? En fait, t'as pas arrêté de me mentir. Toi et lui, dans une chambre sordide. Ce n'est pas ce que tu crois. Non, je t'assure, c'est vraiment pas ce que tu crois. Quand est-ce que vous aurez fini de vous moquer de moi? Écoute, je te promets qu'il y a une explication à tout cela, Joe. Vas-y, explique. Je suis désolé. Je peux rien te dire, je suis vraiment désolé. Y a rien à ajouter. Joe. Oh, s'il te plaît, il faut que tu me croies. Fiche-moi la paix maintenant! C'est vraiment pas le jour, hein! Attention! Oh. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, et ça? Ça s'appelle une faille! Et on vient de la traverser. Où on est? Alors, assez simple. On est sur la planète Mongo. Une autre planète? Arrête. Regarde. C'est pas vrai. Je rêve. Oh, je suis cinglé. C'est un peu dur à croire au début, mais on s'y fait. Attends. T'es en train de me dire qu'on est dans un autre monde? Alors, excuse-moi, il faut un peu de temps pour m'habituer. Ah bah oui. Oui, je comprends, t'as raison. Avec Dell, on était paniqués la première fois qu'on est venu. Dell ? T'as amené Dell ici ? Non. Non, je te jure que... j'ai rien fait. C'était un accident. Alors, vas-y, raconte ! D'accord, voilà, il y avait une faille comme celle-là, et je voulais la traverser pour retrouver mon père, et... Dell a tout essayé pour me retenir, mais ça n'a pas marché comme elle voulait. Tu es fou, c'est trop risqué. Tu ne sais même pas ce qu'il y a derrière ou si tu pourras revenir. Dell, il faut que je le fasse. C'est toi que ça regarde. Attends. Oh.
mission. Oh, ça surprend. Tu comprends maintenant? Si je pouvais rien te dire, c'était à cause de tout ça. C'est ça le grand secret. C'est Mongo. C'est une des plus grandes découvertes historiques et tu m'en as même pas parlé. Écoute, il fallait qu'on reste discret. Plus il y a de personnes au courant de cette histoire, plus il y a de risques pour nous tous. Alors il fallait pas impliquer Dale. Qu'est-ce que tu crois? J'ai essayé, mais Dale n'arrêtait pas de me poser des questions. Et tu sais comment elle est. Franchement, j'avais pas d'autre solution. On est en train de parler de ma fiancée. C'est à moi de la protéger. Dale n'a pas besoin d'être protégée. Je t'assure qu'elle est plus forte que tu l'imagines. Dale, qu'est-ce que c'est que ces vêtements? C'est Ming qui m'a fait mettre ça. Je devais lui servir de dessert, mais heureusement, je me suis trouvé une remplaçante. J'étais venu pour te sauver. Non, c'est moi qui étais venu pour te sauver. Mais tu te fiches de moi? T'as mis sa vie en danger et en plus, elle a été obligée. Elle l'a pas fait, d'accord? Elle a réussi à s'échapper et on est rentré. D'accord. Celui-là, je l'avais mérité. Bon, on y va maintenant. Là, je crois que le deuxième est trop. Continue de compter. Bon, on pouvait pas se parler calmement. Non. Ils ont traversé une faille, tous les deux. Oh là là, c'est pas possible. Mais le plus important, c'est de les faire revenir. Ils n'ont pas de révélateur de failles. Ils n'en ont pas besoin. Les failles s'ouvrent toutes seules. Alors, peut-être que Joe et Flash en trouveront une avec un peu de chance. Encore faut-il qu'ils restent en vie? Il suffit qu'ils soient au bon endroit au bon moment. Je me sens responsable. Je ne savais pas qu'ils se battraient pour moi. Moi, je le savais. Moi aussi. Ah oui? Et tu le voyais venir? Bah, ça se voyait à des kilomètres. Bon, d'accord. On fait quoi maintenant? Maintenant? Moi, ouais, j'ai du travail. Joe. Ah, c'est quoi ça? C'est aussi dur qu'un mur de briques. C'est un gilet pare-balles. Je suis policier. Ah, d'accord. Alors ça, c'est vraiment de la triche. T'abandonnes? Non, abandonner, sûrement pas. On n'a qu'à dire qu'on fait la trêve. Ça me va, oui. Je t'ai assez eu. Eh, où tu vas? Non, non, tu peux pas t'en aller comme ça. On est sur Mongo. Il peut t'arriver n'importe quoi. Il me semblait bien que je l'avais prévenu. Ça fait deux volontaires pour le tunnel. Ah! Belle prise, joli coup de filet. Que tu veux te promener tout seul, tu m'en parles avant. Et la prochaine fois, tu pourras m'expliquer ce qui se passe. On a un gros problème ici, je sais pas si t'as bien compris. Ah oui? Avec qui? Qui fait la loi ici? C'est moi qui fais la loi ici et t'as intérêt à t'en rappeler si tu veux rester en vie. C'est une drôle d'arme, t'en auras pas besoin là où tu vas. Allez, debout. Emmenez-les au tunnel. Allez. Voilà, maintenant tu me laisses faire. Ah, je suis sûr qu'une créature de Mongo est passée par là. Et qu'elle a pris ses escaliers. Est-ce que ça va? Mais comment veux-tu que ça aille? Je viens de voir un horrible monstre. Quel genre de monstre? Un énorme monstre. Tu as vu où il est parti? Non. Et veux-tu que je te dise? Je ne veux pas le savoir. Non. C'est à toi d'y aller. Hein? T'es doué pour ce genre de choses. T'as l'habitude. Moi, je m'occupe des fréquences dimensionnelles. J'ai assez à faire avec les problèmes des failles. Ça, c'est un domaine que je connais. Alors, toi, tu vas y aller. Et moi, je repars au labo. Mais si tu veux de l'aide, appelle-moi. Hein? N'hésite pas. Pas de risque inutile, hein? Ça sent pas bon. Quoi? C'est vraiment un monstre? C'est pire. C'est un déviant. Ah,
Je comprends pas que le gouvernement laisse faire. Et c'est normal, c'est lui qui l'organise. Règle numéro 1 sur Mongo, éviter tout ce qui est en uniforme. Règle numéro 2, ne jamais oublier la première règle. Ils ne sont pas tous mauvais. Et si on essayait de parler à leur chef? Je suis sûr que c'est Ming. Donc c'est une très mauvaise idée, fais-moi confiance. Ah, parce que toi, tu m'as fait confiance? Je préfère te prévenir, il vaut mieux que tu évites d'avoir des problèmes avec les autorités locales. Je l'ai appris à mes dépens. Je veux savoir où est l'Imex. Je ne sais même pas ce que c'est. Très bien. Comme vous voudrez. Qu'est-ce que t'as fait pour le provoquer? Rien du tout. J'avais juste un truc qu'il voulait. Je suis sûr que c'était plus grave que ça. Il faut une bonne raison pour vouloir rencontrer des criminels extraterrestres. C'est vrai, tu sais de quoi tu parles? Quoi, des aliens sont venus sur Terre? Salut. Je m'appelle Lilian. Non, c'est pas possible. Eh oui, c'est comme Mango et on est là pourtant. Tu te rappelles ton amnésie, quand t'as perdu la mémoire tout d'un coup? Ouais. C'était juste après avoir rencontré Lilian. Gagné. Ding 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 ding. Mais, attends. Tu veux dire que c'était une alien? Demande Adèle. Elle a toujours été avec toi, elle a tout vu. Joe? Oh, quelle horreur. Extraterrestre a failli me tuer et Dell ne m'a rien dit. Comment je dois réagir? Tu pourras lui dire merci. Parce que si Dell n'avait pas été là. D'ailleurs, moi aussi, je peux la remercier. Quoi? Dell t'a sauvé la vie aussi? Ming avait organisé un duel. J'étais drogué. Elle a réussi à me tirer d'affaire. Va voir Perrine. Explique-lui la situation. Je vais essayer de parler à Flash. Flash, je suis venue te souhaiter bonne chance. Elle m'a astucieusement fait avaler l'antidote et elle m'a sauvé la vie. Oui, tu la connais. Quand elle veut vraiment quelque chose, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Si elle n'avait pas été là, il m'aurait tué. C'est peut-être ce qui se passera. Enchaînez-les aux autres volontaires. Qu'un seul moyen pour sortir d'ici, tu veux le connaître? Non, 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 ça va aller. Il vient de la campagne, il n'a pas appris les bonnes manières. Taisez-vous, je ne veux plus vous entendre. Ou je vous tue tous les deux. Je peux encore me défendre tout seul. Tais-toi, tu ferais mieux de me remercier. Hé, hey, Latine, qu'est-ce qui lui est arrivé? La poussière noire. Tous ceux qui travaillent la roche noire finissent comme ça. Je mourrai comme ça. Et vous aussi. Un peu de patience. Lui, c'est un Verden, plutôt amical. Un Omadrian, vaut mieux s'en méfier. T'as des amis dans chaque tribu? Ami n'est pas vraiment le terme que j'emploierais. Apportez les outils de transformation. Je croyais que les hommes n'étaient pas ennemis. Ceux-là ont subi une transformation. Une transformation? Nous les avons débarrassés de leurs attributs. Regarde comme ils ont l'air paisibles. Ah non, 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 je ne veux pas devenir comme eux. Je suis très attaché à mes attributs, j'en ai besoin. Et je ne veux pas que vous y touchiez. Si je suis venu vous voir, c'est parce que mon ami s'est fait piquer par une mouche du bonheur. Je veux des médicaments.
Malheureusement, j'ai préféré couper court avant que nos relations ne s'enveniment. À quoi servent ces tunnels? On dit que Ming a trouvé une nouvelle source. Mais personne ne l'a vu. Pourquoi y a-t-il autant d'ouvriers? C'est logique. Ceux qui sont dans le tunnel noir meurent vite. Ici, c'est un peu plus lent. D'accord, c'est de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'on fait dans cette galère, Flash? Flash? Tu es Flash Gordon? Ah oui, c'est moi. Ce gars te connaît aussi? J'ai passé un petit moment chez les Dactyles, c'est une tribu d'hommes oiseaux. Je m'appelle Darren. On m'a dit que tu avais aidé notre chef Vultan à retrouver son fils. Le garçon qui a été kidnappé par des hommes oiseaux? Alors cette histoire était vraie? Écoute-moi bien! Je suis Vultan, le chef des Dactyles, tu es mon fils! Si je te dis de sauter, tu peux me croire, tu y arriveras! Tu as plus de force que tu l'imagines, beaucoup rêveraient d'en avoir autant! D'accord! On saute ensemble! Maintenant! Tu vois, Joe, tu connais un Dactyle, dommage qu'il t'ait pas appris à gazouiller. Vous êtes ici pour travailler, pas pour raconter votre vie. Sois sage, Darren, ou je me ferai un plaisir de te tuer moi-même. C'est bon, ça va. Ça va. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tous les Dactyles ont une dette d'honneur envers Flash Gordon. Et en plus, voir Strake en colère est le seul plaisir qui me reste. Merci, Darren. Il faut trouver le moyen de sortir. Il y a quand même des gens qui t'apprécient. Merci. Trop gentil. Je veux que tu débites 20 mètres cubes de pierre avant la lune. Oh. Sinon, je t'enverrai dans le tunnel noir. Calme-toi, ça va aller, respire profondément. Non, c'est fini. Je pourrai jamais faire ce qu'il demande. Strike a gagné. Je peux te demander une faveur, Flash Gordon? Ce que tu veux, dis-moi. Quand je serai mort, je veux que tu prennes mes ailes. Et que tu les jettes dans le vent, ainsi mes frères sauront que je suis parti. Je te le jure. Mais le tunnel noir, c'est pas encore pour toi. Il a raison. À trois, on ira plus vite. Autrefois, les déviants n'étaient pas des monstres. C'était avant qu'ils boivent de l'eau souillée. De l'eau souillée? C'est toxique. Elle semble pure, mais elle est polluée. Alors pourquoi en boire? Personne ne pouvait prévoir ce qui se passerait. Et chaque génération est pire que la précédente. Ce sont devenus des monstres, physiquement et mentalement. Mais maintenant, ils le savent. Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir soif. Mourir de soif. Ta gorge te brûle, elle devient sèche. La sensation est pire qu'une asphyxie. Alors, ils savent que cette eau est toxique et ils la boivent? Ils la boivent pour vivre. Et que leurs enfants vivent. C'est un sacrifice qu'ils ont choisi. Mais avec Flash, on a rencontré un déviant sur Mongo et il nous a rien fait. Vous avez eu de la chance. Moi, je les ai vus déchirer un homme en deux. Bonjour à tous, je suis Hans Zarkov. J'essaie de sauver le monde. C'est un message pour les générations futures. L'apparition des failles est devenue incontrôlable. Chaque faille génère maintenant d'autres failles à un rythme exponentiel. Si on extrapole le modèle des fréquences, et si ce processus ne s'arrête pas, alors on peut prévoir... une destruction totale du système interdimensionnel, un peu comme un Tchernobyl à l'échelle planétaire. Super. Je discute du destin de l'univers avec un sushi volant.
Attends, fais-moi confiance. On n'a pas le choix, il faut tuer cette chose. Il a peur de nous, c'est normal. Mais il n'a pas l'air agressif. C'est de la glace. Il a soif, c'est tout. Attends, qu'est-ce qu'il y a encore? Son ventre. On dirait qu'elle est enceinte. Ne faites pas ça. Sauvez votre peau, de toute façon, je vais mourir. N'y compte pas. Tant qu'on sera vivant, tu resteras en vie. Tu es brave. Mais complètement fou. Pour une fois, je voudrais qu'on oublie mon côté un peu fou. Hey Joe, j'ai une idée. Ça peut nous faire sortir d'ici? C'est possible. Mais je dois te dire que ça peut être dangereux pour nous deux. En général, tout ce que tu fais est dangereux pour nous deux. Si jamais ça marche pas, promets-moi d'essayer de sortir quand même. Retrouve l'endroit où on est arrivé. Zarkov dit que les failles réapparaissent à la même place. C'est ta seule chance de rentrer. Et je t'abandonnerai. Si on en arrive là, ne t'inquiète pas. C'est que je serai déjà mort. Enlève ta chemise. C'est bien. Ça va aller. Heureusement qu'on a de la réserve. C'est bizarre, ce déviant nous a pas attaqué. Ah. Chocolat a des vertus apaisantes. Hey, Strike! Viens voir là. T'as un problème? Ouais. J'ai un problème avec toi. Retourne travailler. Non, on a droit à une pause. On va négocier. Je représente les travailleurs. Je sais pas de quelle tribu tu viens, mais tu peux lui dire adieu. Ah, ça chatouille. Même pas mal. C'est tout ce que tu sais faire. Ah, je vais m'ennuyer ici. Tu savais que le gilet pare-balles te protégerait? J'en avais aucune idée. Ça m'est venu comme ça. C'est pas vrai. T'es complètement cinglé. C'est cette planète qui est cinglée, alors je m'adapte. Et voilà, on va pouvoir enlever nos chaînes. Allez, vite! Tiens, prends la clé. Tout le monde dehors! Allez, vite! Je crois que Ming va beaucoup apprécier cette petite fête. Je dirai à mes frères combien Flash Gordon s'est montré courageux. Tu as risqué ta vie pour nous. Nous ne l'oublierons pas. Nous non plus. Prends soin de toi, Darren. Allons retrouver la lumière du jour. On va rentrer chez nous. Madame, le temps passe et moi je perds de l'argent pour la location de cette chambre. Le lieutenant en a encore besoin pour son enquête. Il veut relever des empreintes. Ah oui?
Alors pourquoi ces serviettes et ces draps? Pour trouver des preuves. Des preuves de quoi? Je suis désolée, je n'ai pas le droit de discuter avec vous des détails de l'enquête. Eh, vous êtes journaliste? Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Il y a une équipe de journalistes juste en face. Vous voulez que votre motel fasse la une du journal télévisé? Ce n'est pas très bon pour les affaires. Ouais. Oui. Ouais. Mon plan est très simple. Risqué, je dois le dire, c'est vrai, mais simple. On sait que le rayonnement des failles a une fréquence subatomique spécifique. Alors, si j'utilise le pistolet à protons, je peux peut-être inverser l'amplitude. Et je crois... J'espère que cela créera une vibration assez forte pour casser le rayonnement des failles. Enfin, c'est possible. Si mon plan réussit... La structure de l'univers pourra être sauvée. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, l'univers peut imploser en une nanoseconde. Et si ça arrive, eh bien, j'en serais désolé. T'es sûr de ça? Zarkov dit que les failles ont un point d'origine, comme le motel sur Terre. Il appelle ça une faille centrale. Ce qui veut dire? Ça veut dire que celle qu'on a traversée est la faille centrale de Mongo. Il faut qu'on la retrouve, c'est notre seule chance de rentrer. Enfin, si elle s'ouvre. Tu veux dire qu'il faut attendre qu'il y ait une faille? Ouais, il suffit de la trouver. Alors c'est ça? C'est ça ton fameux plan? Est-ce que t'en as un meilleur? Y a pas un moyen de faire apparaître ces failles? Si, y en a un, mais... Je te le déconseille. Darkov et Béline ont déjà essayé. Ça y est, ça marche! T'as réussi! Où est Flash? On peut pas le laisser là! Ils sont plus nombreux et mon arme est vide. Est-ce que t'es prêt? Non! Super! Maintenant! Tu connais pas quelqu'un sur Mongo qui pourrait nous aider? Possible. C'est déjà pas mal si c'est possible. Je compte pas trop là-dessus. Elle crée plus de problèmes qu'elle n'en règle. Bonjour, Aura. Tu sais que ton pistolet ionique fait ressortir la couleur de tes yeux? Je trouverais très vexant que tu ne regardes que mes yeux. Arrête, non. Je te l'accorde, mais c'est non. Je crois que je vais tenter ma chance ailleurs. T'as l'air de plaire aux femmes de cette planète. Et qu'est-ce que tu veux? J'ai une belle voix. T'as l'air de t'y connaître en accouchement. J'ai beaucoup appris en regardant les magazines de santé sur le câble. J'ai dû voir à la télé des centaines d'accouchements. Une fois, j'ai couvert la naissance de Triplé dans un taxi. Je suis quand même inquiète. Respirez. Voilà. Continuez à respirer, comme ça. Et poussez, allez, poussez. Je crois qu'on doit pas être très loin maintenant. On est même très près. C'est ici. Alors? Et maintenant? Rentre à la maison. C'est pas vrai. Je croyais que j'avais réussi à le griller. C'est bon, d'accord, t'as gagné, on va se rendre. Je te louperai pas cette fois. Oh non. Respirez, poussez. Plus fort. Qui êtes-vous? Des sorcières. Je vous demande pardon. C'est un nouveau maléfice des Omadrians. On n'est pas des Omadrians. Où m'avez-vous amené? Où sont Flash et Joe? Ce sont deux étrangers sur Mongo. Les volontaires. Tu poses ça ou je la tue? Est-ce que t'as une idée de la force que peut avoir un déviant en colère? Quoi? C'est pas vrai. Quelle efficacité? Je crois qu'elle t'a sauvé la vie.
Attends, je comprends pas. C'était cette faille? Et elle s'est fermée, on peut plus rentrer chez nous? Voilà, t'as tout compris. Et c'est pas la seule mauvaise nouvelle. Ce gars est au motel. Mmh. Avec Dale. Et Belline. Qui? Je t'en parlerai plus tard. On n'a plus qu'à attendre le prochain bus pour la maison. Joe, il y a quelque chose que je voudrais te dire. À propos de Dale et moi. Il n'y a pas de Dale et moi. Il n'y en a jamais eu. Tu me dis ça parce que j'ai un flingue? Non, je voulais te dire ça. Parce que même si elle t'a menti sur Mongo, Dale ne t'a jamais trahi. Ne l'abandonne pas. Je crois que j'ai la solution à nos problèmes. Oh, est-ce qu'il est mort? C'est le monstre! Une déviante. Je suis désolé. Est-ce qu'elle fait ce que je crois qu'elle fait? Elle accouche, tu nous donnes un coup de main? Oh, non. Moi, je préfère rester ici. Je vous serai nos cunettes. Faites comme si j'étais pas là. Bien, poussez. On y est presque. Sa mère. Bon, vous deux, écoutez-moi. Désolé de vous interrompre, mais je vous rappelle que l'univers est en danger et qu'il va bientôt imploser. Alors... Cet engin va pouvoir ouvrir des failles pour que Flash et Joe puissent rentrer. Pas tout à fait, non. Si je tire avec ça sur le point central, c'est-à-dire ici, ça va détruire les failles. Mais avant que ça les ferme, des tas de petites failles s'ouvriront très brièvement et elle pourra rentrer d'où elle vient. Brièvement, c'est-à-dire? Peut-être quelques secondes. Et s'ils sont près de cet endroit sur Mongo, Flash et Joe pourront rentrer. Et si c'est pas le cas? Oui, je sais. Mais si je ne le fais pas, on pourra jamais le savoir, alors... Où se trouvait la dernière faille? Près du monsieur, là. En arrière! Allez, à son tour, là. Oh, il pèse une tonne. Oh, le déglige. Il y a une faille. On retourne à la maison. J'espère que t'as raison cette fois. Et pour Flash et Joe, je crois qu'ils ont dû l'arrêter. Non. On dirait. Et nous aussi. Ça a marché. Qu'est-ce qui a marché? J'ai sauvé l'univers. Momentanément. On a mis au monde un enfant déviant. Et moi, je me suis pris un pare-brise. Ah.
Ça va? Oui, maintenant je sais tout. Vraiment tout. Et alors? Alors je crois, Adèle, qu'il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu sens mauvais? C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? On va dire que j'ai donné à Joe un cours accéléré sur Mongo. Je vous expliquerai ça plus tard. Maintenant, j'ai qu'une envie. Profiter des plaisirs terrestres. Hot dog à la moutarde devant un match de baseball. J'ai jamais joué au baseball, moi. C'est quoi des hot dogs? Pour savoir. C'est une grosse saucisse dans du pain.